Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 26 mai 2021, direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour le Grand National du Trot, première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce qui est déjà la cinquième étape du Grand National du Trot 2021, nous devrions assister à l'une des plus belles épreuves de l'année. Sur une distance de 2850 mètres départ volté d'une piste à main gauche, il y aura 8 chevaux qui partiront avec une avance de 25 mètres. Le but n'étant pas d'attendre les plus riches, nul doute que ce groupe 3 va être rythmé du départ à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Copsi. Cet élève de Dominique Lauquenay rattrape le temps perdu après une très longue absence. Restant sur 2 victoires dérisoires et ridicules de facilité, avec un Gabi Gelormini tout heureux de le driver, il devrait logiquement faire le show. En deuxième choix, le numéro 9, Crack Money. Il est mal engagé ici puisqu'il est le moins riche du deuxième échelon. Malgré tout, il vient de remporter son épreuve à Mort de Bretagne et comme il a tracé une très belle fin de course à cette occasion, il peut confirmer et marquer de nombreux points au classement général. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Firello. Régulier dans l'ensemble et s'entendant parfaitement avec Nicolas Bazir, il devra encore une fois terminer dans les 5. En quatrième position viendra le numéro 13, Firecracker. Il devra rendre la distance ici, ce qui n'est pas simple pour lui, lui qui aime animer les débats. Nous devons une revanche après sa contre-performance sur l'hippodrome de Bordeaux, il peut compter sur la précieuse aide d'Éric Raffin. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Frick Duchesne. Franck Nivard le connaît sur le bout des doigts et comme il a une belle aptitude à l'hippodrome du Croisé-la-Roche, il devra encore une fois finir vite. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 14, Dexter Château. Déféré des 4 pieds, ce qui est sa meilleure configuration, avec l'aide de Charles Bigeon, il doit encore une fois terminer dans les 5. En avant-dernier choix, le numéro 2, J'aime Debusset. Elle est présentée par un Philippe Allaire ne présentant jamais un cheval au départ d'un quintet plus sans raison et c'est pourquoi il faut lui accorder un peu de crédit. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Euro Duchesne. Au premier échelon, s'il est bien placé dans le dos des leaders, il peut pimenter les rapports. En cas de non-partant, c'est le numéro 4, Général du Parc, qui est courageux en diable, qui introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent une fois encore tierce et quarte et quinte et plus dans le désordre, le dernier affichant un rapport de plus de 100 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.